Eh bien, salut à tous. Bonjour Charlène. Bonjour. Bienvenue. Comment tu vas? Ça va, ça va, ça va. Merci de m'accorder un petit peu de temps. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de toi et du sens que tu mets dans ton travail. Voilà. Est-ce que tu veux m'en parler et voilà, nous raconter un petit peu comment ça se passe pour toi? Alors pour moi, je suis toute nouvelle, hein. Ça fait un mois et demi que je travaille pour Laetitia. Et Ouais. je suis plutôt contente, surprise même, parce que je voyais. Est-ce que parfois quand on, et c'est valable pour tout type finalement de job, on a une certaine représentation en fait d'un métier, on dit bah tiens ça va être comme ça, comme ça, comme ça, et au final parfois on est surpris et dans le bon sens souvent. Est-ce que ça a été ton cas? Ah bah oui, totalement, ouais. On se fait une mauvaise. Un mauvais avis un petit peu sur certains, enfin des a priori, et finalement, bon, c'est tout l'inverse. C'est Ouais. tout l'inverse. Qu'est-ce qui a compté pour toi? Sur quoi justement tu te dis, mais finalement, c'est une super surprise? Ah bah, c'est une grande aide auprès des particuliers, finalement. On est là pour les aider, on n'est pas là. Bah, ouais, comme femme de ménage, non, non, on est là pour les aider. Dans leur quotidien pour Ouais. pouvoir bah, ils profitent en rentrant le soir. Enfin, c'est vrai qu'ils rentrent dans une maison, tout est propre Ouais. et ils se soucient pas de ça en fait. Ouais. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis là parce que moi j'entends le mot aide qui est intéressant. Il y a presque ce mot-là, entre guillemets, de femme de ménage qu'on n'emploie plus d'ailleurs, C'est ça. hein, parce qu'effectivement, c'est bien au-delà de ça. Ouais. C'est le service finalement aux gens. Parce que, et tu vas nous l'expliquer très certainement, et c'est au-delà. Au-delà du ménage, en fait, au-delà de je fais le ménage chez quelqu'un, en fait. Ça va au-delà. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? Bah, je sais qu'il y a des clientes, enfin, on a un cahier, on a des retours. Et bah, c'est vrai qu'elles sont. Je pense à quelqu'un en particulier. Je sais que bah, ils sont contents de rentrer le soir chez eux, avoir une maison propre. Et bah, ils sont reconnaissants. Puis le fait déjà de d'avoir la confiance de nous laisser rentrer dans leur intimité, je trouve ça énorme. Parce que finalement, ils ne nous connaissent pas forcément. Et ouais. Oui, puis en plus, alors, est-ce que le, parce que toi, tu es toute jeune, a Oui. priori, est-ce que tu as l'impression que ton âge, c'est un avantage ou un inconvénient dans ce type de job? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu le ressens et peut-être que je raconte n'importe quoi. Non, non, alors pour certains clients particuliers, je trouve que c'est un avantage parce qu'on leur apporte du peps. Je sais que Ok. j'ai deux, trois maisons où les particuliers sont là pendant ma prestation et tout en faisant la prestation, je parle avec eux et je trouve que ils sont contents et je le ressens aussi et je suis Ouais. contente de les voir également. Ouais. Il y a, et j'ai eu l'occasion de discuter avec pour l'instant, plusieurs autres de tes collègues qui, finalement, qui me parlent de communication aussi. On sent finalement cet aspect communication, il est hyper présent, en fait, dans votre métier. Ah oui, et il est important parce que c'est comme ça que tout se déroule parfaitement bien. Ça serait quoi, toi, le point où on imagine demain, tu aurais à partager finalement et tu auras à conseiller finalement ton métier pour des copines à toi. D'ailleurs, copines ou copains, en fait, parce que parfois, il y a peut-être aussi des garçons qui aimeraient faire ce métier, en tout cas qui seraient intéressés par ce métier. Ça serait quoi le premier aspect que tu donnerais, toi? Une liberté, la liberté Liberté. du travail. OK. Ouais. OK. Le Liberté. premier mot, c'est ça, en tout cas. Ok, bien sûr qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, celui qui viendrait, ça serait celui-là. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose d'autre? Bon, pas spécialement, je sais pas, non. Je Ok. pense que j'ai tout dit, ouais. Ouais, je pense que tu as tout dit. Et moi, je sens qu'effectivement, il y a ce peps, il y a cette envie de servir et de bien faire. Et que tes côté clients, puisque toi, tu as que les particuliers, j'ai cru comprendre. Oui, c'est ça. Se sentent bien chez eux finalement. Ah bah, c'est le plus important. Et C'est ses buts. on revient, tu sais, beaucoup maintenant à ces jobs qui paraissent en tout cas moins à la mode, tu sais, moins dans l'air du temps, et finalement sont utiles parce qu'ils sont utiles pour les gens, parce qu'ils sont utiles pour le quotidien,
Et je trouve qu'en 2021, c'est plutôt chouette, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est presque une chance, finalement, parce que peu de gens connaissent ce métier-là, et je pense qu'une fois qu'on a mis les pieds dedans, tout change. Ouais. Représentation du monde différente, du coup, derrière. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné un petit peu de ton temps. Moi, et d'avoir partagé ton aventure à toi finalement au sein de cette structure. Merci beaucoup Charlène. Je t'en prie. Ciao. Salut.